Yo les potos, c'est l'extase. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un canon à TNT surpuissant. Quand je vous dis surpuissant, la chose va tellement être puissante. Alors, il vous faut des distributeurs, de la redstone, un petit levier, un petit bouton de la TT. C'est bizarre la TT. Et c'est ça, et il te faut de l'obsidienne. En fait, il nous faut un bloc, n'importe lequel. Moi, je préfère l'obsidienne parce que l'obsidienne, si le système pète, l'obsidienne, ça va pas se péter facilement comme ça. Donc, si vous êtes dans un petit PVP faction, vous avez mode, l'Edna, vous pouvez insérer ce petit système là. En fait, elle est beaucoup plus puissante que. Ce petit système-là est beaucoup plus puissant que la dynamite. Ok, vous faites ça. Et vous faites ça, ok. Vous voyez? Vous faites le petit système comme ça. Donc, je vais me mettre dans un plan en hauteur. Vous voyez, vous faites le petit système comme ça. Donc, vous allez mettre de l'eau sur toute la petite surface. Ok. Maintenant, vous allez prendre votre stone. Vous n'allez pas mettre de stone ici. Parce que sinon, ça va se connecter avec ceci. Vous allez le mettre ici, ici et ici. En le mettant ici, ça va se connecter avec ceci. Vous le mettez ici, ça va se connecter avec ceci. Alors, le système va complètement péter. Donc, vous mettez ça comme ça. Et vous faites ça comme ça. Ouais. Je vous fais un petit plan. Maintenant, on va mettre la Dina et on va faire le petit. Un, deux, trois. On va faire le petit test. Ok, on va commencer. Premièrement, si vous appuyez sur ce bouton-là, la TNT va se déclencher ici et ça va faire tout péter. Vous devez d'abord déclencher ceci, qui est le moteur, et ensuite allumer ceci. Voilà, ceci est allumé un petit peu trop tard. Donc, ça fait tout péter, je vous l'avais dit. Donc, pour éviter que tout pète, je vais reprendre ça. Pour éviter que tout pète et que bim, le canon ne fonctionne pas, alors vous devez éviter les choses. Donc, on va commencer. Okay. Pour éviter le canon, tout pète, on va faire comme je fais pour éviter que ça que pète complètement. Ok. Au moment où vous activez ceci, bien sûr, je vais laisser ça exploser parce que voilà, vous voyez même si ça explose, rien ne se pète parce qu'il y a l'eau qui permet d'amortir l'explosion. Voilà. Vous allumez ceci, ensuite vous faites ceci. Ah, je n'ai pas mis la dynamite. Vous allumez ceci, maintenant vous faites ceci. Vous voyez, maintenant, quand ça va exploser, ça va propulser la TNT. Ici, bon, la TNT est tombée dans la rivière. Bon, vous avez un petit peu compris le système. Vous allumez ça, ensuite vous faites ça comme ça. Vous voyez là, vous regardez, la TNT est propulsée, bon, c'est dans la rivière. Mais exemple, s'il y avait un mur, bon, je vais le faire beaucoup plus puissant. Bon, si vous voulez que ça va beaucoup plus loin, vous pouvez mettre un petit levier parce que regardez, ça va, regardez jusqu'où la TNT est arrivée. Vous voyez, ça a complètement tout dégringolé. En fait, le truc avec ce canon là, c'est que même l'obsidienne. N'est pas même l'oxygène n'est pas très fort parce que le truc avec les dynamites c'est que ouais, le truc avec les dynamites c'est que le dynamite c'est un petit côté mais ceci vous pouvez mettre autant de puissance que vous voulez. Bon, bien sûr vous devez mettre de la redstone et un petit peu d'eau mais vous avez un petit peu vu le concept, vous avez un petit peu vu.
la manière dont, dont je l'ai fait. Je fais ça comme ça, bim, bon, pas en haut mais en bas. C'est un petit peu chiant. C'est hyper facile à faire. En fait, c'est l'un des canons les plus faciles à faire. Le canon que je viens de vous montrer, c'est le canon le plus facile à faire parmi toutes les autres canons hyper difficiles, hyper chiants. C'est le canon le plus facile à faire aujourd'hui. Bim. Et bim. Regardez, c'est le canon le plus facile à faire. Ça se fait comme ça. Vous mettez de la dina, vous appuyez d'abord sur ce bouton, ensuite, puis vous faites ça. Si vous appuyez sur ça avant, ça, la LED qui se trouve devant va se déclencher avant cette TNT là. Donc, cette TNT qui sera ne pourra pas propulser cette TNT là. Donc, vous devez appuyer sur ce bouton là avant pour allumer le moteur. Ensuite, vous appuyez sur ceci qui est le projectile. Et maintenant, bim, bim, bim. Maintenant, en fait, c'est le canon le plus facile à faire. Le canon le plus facile à faire, vous appuyez sur le bouton avant, vous appuyez sur ça qui est ici avant, ensuite vous appuyez sur ça. C'est la chose la plus facile à faire. C'est le canon le plus facile à faire et, ouais, et le plus puissant d'entre tous. Bon, ciao, on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye.